blanc, qui est la cuve d'empattage. Et c'est là qu'on met 700 litres d'eau et 150 kg de malt à peu près. Et autrefois, c'est ce qui se remuait au fourquet. C'est la grosse soupe épaisse qu'on fait là-dedans, ça s'appelle la mèche. Et on fait monter la température par palier pour favoriser un type de sucre plutôt qu'un autre. Donc ça, c'est tout ça se passe là-dedans. Ça dure 3-4 heures à peu près et on monte jusqu'à 78 degrés où l'action enzymatique s'arrête. Et à ce moment-là, on passe dans la cuve de filtration, qui est cette cuve-ci, où on laisse se déposer toutes les écorces, tout ce qui n'a pas été utilisé. On n'utilise que l'amidon, donc il reste beaucoup de protéines notamment, donc ces écorces se déposent et font un gros gâteau de drèche à travers lequel la mèche est filtrée pour donner le mou qui lui revient dans la première cuve qui a été nettoyée entre temps et qui va cuire pendant environ 2 heures ici à 95 degrés parce qu'on est à 1500 mètres d'altitude et c'est à ce moment là que je mets le houblon, donc 150 kg de malt, 1 kg de houblon à peu près. La première fermentation dure 3 semaines. Ensuite, j'ai une garde à froid pour bien stabiliser les goûts et stabiliser la bière qui dure à peu près 3 semaines aussi. Ensuite, ça passe dans la chambre chaude pour réchauffer et que les levures puissent à nouveau travailler. Faire la deuxième fermentation qui fait le gaz dans la bouteille et puis un petit peu plus d'alcool. Et à ce moment-là, la bière est bonne à être vendue, donc je la contrôle, je regarde au microscope qu'il n'y ait pas de bactéries, et je regarde que la densité soit bonne, je la goûte pour savoir si elle n'est pas acide. Pour l'instant, ça se passe bien, mais il faut quand même faire ses contrôles. Ça, cette liane, c'est le houblon que je cultive chez moi et que j'utilise dans la bière de printemps. J'ai pas une production suffisante pour faire toutes mes bières avec, mais la bière de printemps c'est fait avec du houblon de chez moi, donc à 1600 mètres d'altitude. Bah écoutez, de passage dans cette belle région, je me suis arrêté parce que j'avais une petite soif. Et goûter une bonne bière, bah c'est toujours très sympathique. Donc on m'a proposé une bière brune, ambrée, très goûteuse, pas agressive du tout, mais très goûteuse. Et je lui ai trouvé un petit goût de noix, voilà.